je ne vois pas comment je pourrais vivre dans un pays où je ne pourrais plus rire de tels sujets parce qu'il y a un risque. Il y a un risque judiciaire, ou il y a un risque mortel, ou il y a un risque... Non, je préfère autant crever tout de suite. Il y a toujours eu en France des dessinateurs satiriques. Et quand il n'y avait pas les dessinateurs avant, il y avait une tradition des grands écrivains. Je veux dire, ça remonte à Rabelais, cette tradition de gens qui avaient quelque chose à dire et qui le disaient avec une certaine violence et une certaine verdeur. Pour nous, nous sommes la suite logique de l'assiette au beurre. L'humour, c'est un coup de poing dans la gueule. Mais on va aller quand même dans du papier de soie ou du papier de bonbon. C'est tout. Parce que même si moi, en vieillissant, je deviens mou du bide et que j'ai plus du tout envie de me mettre en colère parce que, je sais pas, je serais devenu tellement blasé en me disant, bah, de toute façon, ça n'évolue pas. Il y aura toujours des jeunes qui arrivent. Le moyen de domination des humains, c'est l'insécurité. C'est de dire, tu ne sais pas de quoi sera faite, non pas demain, mais même l'heure suivante. Thank you.